Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Burkina Faso. L'armée note un retour progressif des populations dans certaines localités du Nord. L'armée a évalué la situation sécuritaire dans son bulletin mensuel d'information sur action. Ainsi, au cours de la période du 15 mai au 15 juin 2022, l'armée dit avoir noté que les opérations aéroterrestres engagées et les ripostes de Bouzanga, Namisigima contre les groupes armés ont engendré une flambée de violence de la part des terroristes contre les populations civiles de plusieurs localités. Ces exactions contre les populations civiles s'apparentent à des représailles selon les forces armées nationales, chose qui, de l'avis de l'armée, démontre si besoin est encore les desseins malsains des groupes armés qui s'en prennent de façon indiscriminée aux populations. Mais, à l'étape actuelle de la situation, assure l'état-major des armées, les FDS et les VDP intensifient les efforts coercitifs en faisant parallèlement les efforts sur la protection des populations. Ainsi, comparativement au mois écoulé, les indicateurs soulignent une augmentation des actions offensives, un retour progressif des populations dans certaines localités, au nord notamment, une augmentation du nombre de terroristes neutralisés et malheureusement, une augmentation du nombre de civils tués, notamment à Setenga. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.